Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en 2024 il est facile d'investir en bourse et cela même si on n'a aucune connaissance. Donc ce qui freine souvent les gens à se lancer, c'est qu'ils se disent que c'est quelque chose de compliqué, qui est réservé à une élite, qui est réservé à des gens qui ont fait des études longues, alors qu'en fin de compte, il n'a jamais été aussi simple en fait d'investir en bourse. Aujourd'hui, c'est vraiment très simple et on a des plateformes comme eToro qui permettent vraiment à des débutants d'investir aussi bien que les meilleurs traders sur le marché. Et je vais vous le prouver en vous montrant deux investissements pour des débutants, et même pas pour des débutants, c'est vraiment pour tout le monde, qui sont des rendements extrêmement rentables. Là, vous voyez que je suis sur la page des ETF et je suis sur en fait le S&P 500. Et puis ici, vous voyez la performance, en fait, elle est depuis donc 2010. Depuis 2010, il y a une performance de 335%. Donc ça, si vous divisez ça donc sur les 14 années de l'historique, ça fait une moyenne à plus de 20% de rendement par année. Donc vous voyez, quand on investit en bourse, on se place sur long terme et en fin de compte, on ne va pas s'inquiéter que ici, vous voyez comme en 2020, tac, il y a une crise. Effectivement, quand vous êtes en train d'investir, vous allez vous dire, voilà, peut-être votre portefeuille il a perdu 20% de sa valeur, mais vous voyez que sur long terme, peu importe les crises, ça remonte toujours. Donc, et si vous prenez sur 100 ans, vous aurez exactement les mêmes graphiques. La bourse est le meilleur placement. Il y a des graphiques qui le montrent comparé à l'or, à l'immobilier, à tout ce que vous voulez. C'est l'investissement vraiment le plus rentable. Donc ça, le S&P 500, donc c'était le premier des investissements. Le deuxième investissement que je veux vous montrer, c'est vous montrer qu'en fin de compte, vous pouvez investir aussi bien que Warren Buffett. Alors vous voyez ici, donc on est sur la société en fait de Warren Buffett qui est Berkshire Hathaway. Et là aussi, vous voyez, il y a une performance de 442%. Et donc l'historique remonte à 2008 et là aussi je crois on est aux alentours de 16% par année. Donc vous voyez plutôt que d'avoir l'argent placé sur un livret A qui va vous rapporter 3% par année, de prendre des risques en allant investir dans l'immobilier qui peut baisser, vous pouvez avoir des problèmes avec vos locataires, vous pouvez en fait de façon très très simple investir en bourse. Simplement acheter par exemple la Berkshire Hathaway et vous ferez aussi bien que Warren Buffett. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller que vous alliez vous-même sélectionner des actions. Vous pouvez juste prendre ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne le mieux depuis très longtemps. Et ça, on a tout l'historique pour montrer justement la performance d'un fonds, d'une action ou d'un ETF et vous placer sur cet investissement. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut se lancer et puis sur le long terme, vous serez gagnant. Donc à court terme, vous pouvez avoir des baisses, mais si vous vous placez dans une optique d'investissement à long terme, vous êtes certain en fait d'être gagnant à la fin. Et ça sans prendre beaucoup de risques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like et abonnez-vous si ce contenu vous apporte une plus-value. Et je vous dis à très bientôt.